Le journal Geneviève Bonnon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Les catholiques observent ce dimanche la fête des Rameaux, cette célébration qui rappelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, ouvre la semaine sainte conduisant à la Pâque. On le connaissait, artiste Eric MC est devenu depuis hier écrivain. Son premier livre porte le titre « Le vieux père et la révolution du hip-hop au Togo ». Le livre retrace l'histoire du hip-hop. Et puis, s'agit-il d'un boycott des élections présidentielles en France? À midi, le taux de participation était seulement de 25%. En jeu de ce scrutin, les candidats qui parviendront au deuxième tour. Radio-Lomé.tg. Une fois encore, bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche des Rameaux. Jésus-Christ fait son entrée triomphale à Jérusalem. La célébration catholique de cet événement marque la passion de Jésus-Christ et correspond à la dernière étape du carême. C'est donc le dernier dimanche avant la fête de Pâques. Le reportage qui suit explique le sens, le contenu de dimanche des Rameaux. Kekeli Abalo, présentation Léontine Atogimon. C'est dans cette ambiance de paix et de joie que les chrétiens catholiques de Ramkopé ont célébré cette journée. Elle marque l'entrée dans la semaine sainte, la dernière partie du carême. Frère Clément, prêtre franciscain. La fête des Rameaux, c'est-à-dire on se rappelle du passage de Jésus à Jérusalem. Cela est important parce que c'est cette démarche-là qui vaut notre salut. Donc voilà, c'est important de célébrer le dimanche des Rameaux. Et c'est ce jour-là que nous aussi nous chantons Hosanna comme les Israélites et les Juifs en ce moment pour montrer que nous aussi, nous le louons parce que c'est lui qui est venu pour nous donner le salut. Pour les fidèles catholiques, cette fête des Rameaux permet de prouver au monde entier que Christ est roi. Théophile Alipoué, fidèle. La célébration de la fête des Rameaux chez les chrétiens catholiques commémore la montée de Jésus à Jérusalem, là où il va subir sa passion pour mourir pour le monde entier. Et cette fête-là, il a prouvé devant le monde entier que Jésus est le roi. Et le monde chrétien devait le porter pour que tout le monde voit qu'effectivement, c'est un roi. Et là, ça sera confirmé sur la croix. Bonne fête des Rameaux à tous. Autre sujet de cette édition, le gouvernement togolais se veut plus proche des populations. Il a bouclé en fin de semaine à Kara le premier séminaire de l'année 2022 présidé par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Plusieurs projets contenus dans la feuille de route gouvernementale étaient au centre des travaux de deux jours. L'amélioration de la compétitivité du secteur logistique, c'est-à-dire la réforme du port autonome de Lomé, et la digitalisation du secteur agricole, la transformation et la modernisation de l'État ainsi que les partenariats publics et privés constituent l'essentiel des sujets qui ont été abordés lors de cette session. Notre sensibilisation sur le respect des réserves administratives se poursuit aujourd'hui. Monsieur Daké Kofi Kouman, directeur général de l'urbanisme, explique comment reconnaître ces domaines de l'État. C'est très simple. Lorsque les gens veulent acheter des terrains, on leur donne les numéros des lots. Tel lot a tel numéro, tel lot a tel numéro. Lorsque vous vous retrouvez devant un plan de lotissement et des parcelles n'ont pas de numéro, ça veut dire que ce sont des réserves administratives. Pourquoi les lots n'ont pas de numéro? C'est tout simplement parce que ce sont des réserves administratives. Donc, lorsque vous voulez acheter un terrain, demandez au propriétaire du terrain de vous fournir le plan de lotissement. Et quand vous verrez des parcelles qui n'ont pas de numéro, immédiatement, sachez que ce sont des réserves administratives. Comment se découvrir et savoir s'orienter des jeunes leaders du Togo était autour de la question hier avec des modèles de réussite au Palais des Congrès de Lomé. Il s'agit de la 5e édition de la conférence des jeunes leaders Confegel, une initiative de l'association Précieux Trésor de Vie en collaboration avec Maison TV5 Monde. Madame Mimi Bosso-Soujede, directrice de l'association Conseil,
les apprenants de choisir leur série en fonction de leurs compétences. Le destin de l'autre n'est pas mon destin. Je ne dois pas choisir ma série parce que, en fait, le chemin ensemble pour aller à l'école, si on se sépare, comment va devenir notre amitié? Chacun a son destin et chacun doit avoir sa vision. Et cette vision se définit par qui on est, quel talent on a, quelles compétences on a, quel atout Dieu nous a donné. Et chacun est unique. Chacun doit chercher sa voie, la tracer pour aller jusqu'au bout de ses rêves. Je le disais en titre, il est revenu sous la forme d'un écrivain. Eric MC, un des pionniers de la musique hip-hop, publie hier son premier livre. Il est intitulé « Le vieux père et la révolution du hip-hop au Togo ». Eric MC, appelé à l'état civil à Yaovi Messan, il retrace dans son livre l'historique de la musique du genre hip-hop au Togo. Eric MC dénonce les censures à l'encontre de ce genre musical depuis les années 1970. Le hip-hop, ça a été une révolution d'abord à la base, parce que avant d'être rappeur, il faut se rebeller d'abord, avant de pouvoir faire la révolution. Donc, si je parle de révolution, c'est parce que on a eu des embûches, on a eu à affronter les nanabens, il y a eu des étapes, les forces de l'ordre et la dictature pour la liberté d'expression. Dans cet ouvrage, je suis parti pour dénoncer la censure dans la culture, et surtout que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la culture hip-hop, afin qu'ils comprennent comment le hip-hop a pu s'installer au Togo. Pour Serge Azialé, écrivain et critique littéraire, cet ouvrage paru aux éditions Audi doit inciter les autres pour une meilleure traçabilité de l'histoire artistique au Togo. Ça augure d'une certaine dynamique qui va faire que ça va inciter d'autres acteurs, quel que soit le domaine donné, à essayer de mettre noir sur blanc leur parcours pour essayer de donner de la matière à la postérité. Donc c'est un bon départ et c'est bien que ce soit Eric Emski dans le temps, lui qui est le père fondateur de la nation HH. Ça dénote de sa personnalité. Il est toujours à l'avant-garde. L'auteur dit œuvrer dans le social dorénavant et met fin à ses ambitions politiques. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le territoire de Rutshuru, annoncent se retirer de nombreuses localités conquises ce week-end pour n'occuper que celles d'avant le 6 avril. Dans son communiqué ce dimanche, le mouvement rebelle explique cette date par le vœu de voir un dialogue franc et fructueux ouvert avec Kinshasa. Le M23 exprime également son intention de remettre au comité international de la Croix-Rouge tous les éléments de l'armée congolaise capturés sur la ligne de front. Le premier tour des élections présidentielles françaises se déroule actuellement en France. À midi, heure locale, la participation était estimée à plus de 25%, 3 points de moins qu'en 2017. Les enjeux de ce scrutin, les candidats qui seront au second tour retrouvant Léontine Atogimon. Qui sera au second tour parmi Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen et Fabien Roussel. Les sondages mettent Marine Le Pen en tête de la liste. En effet, deux sondages lui donnent 47,5 et 48,5% et elle sera face au président sortant Emmanuel Macron au second tour. Il est de plus en plus clair que les deux candidats auront à s'affronter de nouveau le 24 avril prochain pour le fauteuil présidentiel. Tout au long de la campagne, Emmanuel Macron lui-même a porté le fer contre celle qu'il a toujours considérée comme sa principale adversaire. C'est le combat du progrès contre le repli, le combat du patriotisme et de l'Europe contre les nationalistes. Les choix d'avril sont simples au fond, a-t-il indiqué. La candidate du Rassemblement national n'a jamais été aussi près du sondage ni de la victoire si l'on s'en tient aux intentions de vote. Et puis sachez que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est à son 46e jour. Ce dimanche, le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise en Ukraine où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky à Kiev. Boris Johnson s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés, des missiles anti-navires et appelle d'autres pays à suivre l'exemple du Royaume-Uni.
Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rappel des titres. Les catholiques observent ce dimanche la fête des rameaux, cette célébration qui rappelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, ouvre la semaine sainte conduisant à la Pâque. On le connaissait, artiste Rick MC, depuis hier écrivant. Son premier livre porte le titre « Le vieux père et la révolution du hip-hop au Togo ». Le livre retrace l'histoire de ce genre musical.